Pour l'instant, comment vous expliquer? Pour l'instant, il est là, il est chez lui et tout. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est d'ici et tout. Au début, je crois qu'il y a un mois ou deux, il avait fait la. Comment? Voilà, il avait demandé de revenir un peu l'entraînement. Donc là, on l'a revu, on sait pas trop quoi. On va voir dans quel état il est, mais c'est vrai que la blessure, je le répète, de Tizi Boili nous poser beaucoup de questions. Donc on va voir. Mais on ne peut rien dire pour l'instant. Lui, il n'est pas limité, hein, puisqu'il est ancien international, il n'y a pas de. Je crois que. Je sais pas. Enfin, comment vous expliquer? Forcément qu'on y pense un petit peu, mais on n'a pas. On a rien décidé. Et déjà, peut-être aussi, on va voir comment se comportent les gens qui vont remplacer Tizi Boili. Déjà, on va voir par rapport à l'USMA. Disons qu'international en chômage, il a droit à une dernière. C'est ça, hein. C'est ce que j'avais cru comprendre. Donc on va voir entre les deux, soit Ahmed, soit Nikhilesh, on verra.